Dans la nuit du 1er au 2 juillet, à Marseille, Mohamed Bendriss est mort d'une crise cardiaque après avoir été touché par un tir de lanceur de balles de défense en pleine poitrine. Il avait 27 ans. C'est le seul mort causé par l'action de la police pendant les émeutes qui ont touché la France cet été, après le décès de Nahel Merzouk, tué par un tir policier à Nanterre. Mohamed Bendriss circulait en scooter quand il a croisé la route du raid, envoyé à Marseille pour rétablir l'ordre et empêcher les pillages de magasins. Grâce à de nombreuses vidéos enregistrées par les caméras de surveillance de la ville, par une riveraine et par le raid lui-même, Mediapart a pu reconstituer le trajet du scooter et des policiers ce soir-là. Ces images montrent aussi les secondes cruciales où le raid tire sur Mohamed Bendriss. Pour justifier leur tir, les policiers du raid ont affirmé que Mohamed Bendriss fonçait sur eux et menaçait la sécurité des agents. Les images que nous avons récupérées les contredisent. Mediapart.